Je vais déclencher mon chronomètre. Je vais déclencher mon chronomètre. Et je vais marcher pendant 6 minutes 40 secondes. Étrangement, après 6 minutes et 40 secondes de marche, j'arrive sur le lieu où j'ai filmé les premiers plans du premier épisode du journal filmé. Bérénice et Léobin sont à la maison. Le confinement a commencé il y a quelques jours. Le résultat des sondages et le résultat de l'élection, parce que juste avant l'élection, il y avait des doutes sur le fait que Donald Trump incarnait toujours le même espoir pour ces populations-là. Patrick Martin, j'aimerais justement, ça mène une réflexion forcément, parce que il y a, qu'on le veuille ou non, mais grosso modo, une moitié d'Amérique qui soutient Donald Trump, qui a une vraie adhésion pour Donald Trump, Oui. qui va donc au-delà des, je vais caricaturer, mais des blancs du Sud à col bleu. Oui. Ça transforme les différences ethniques. Évidemment, on parle du vote afro-américain. Si vous allez en Californie, bah, ils sont plutôt acquis, évidemment, à Joe Biden. Mais lorsque vous regardez en Floride, finalement, les Sud-Américains, eh bien, les Cubains votent nécessairement républicains. Même les Vénézuéliens, avec ce qui se passe au Venezuela, vont plus voter pour... Lui, il parle de triche pour dénoncer eh bien, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il est en train de perdre certains des États-clés sur lesquels il comptait, qui lui aurait permis de remporter cette élection. Atelier journal filmé au collège et lycée Sainte-Ursule de Luçon. Je propose aux élèves de choisir des épisodes et de rédiger un petit texte de présentation. L'ensemble sera projeté sur un écran dans le hall d'entrée pendant une dizaine de jours. De regarder ces vidéos va vous filmer de dos. D'accord. Voilà, si vous ne voulez pas de face. Voilà, ceux qui veulent de face, vous lui direz. Thank you.
au lycée Bel Air de Fontenay-le-Comte. Je retrouve Sylvie pour préparer une rencontre avec ses élèves qui aura lieu au mois de mars 2021. Je suis déjà venu ici vers 1985-86 pour accompagner une classe en voyage d'études alors que j'étais pion au lycée agricole de Saint-Lothaire. Nathalie était élève ici et sans le savoir, nous nous sommes certainement croisés.